Et bonjour à tous, c'est John Junan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On enchaîne avec les vidéos ma box et aujourd'hui on va s'intéresser à la box, enfin ma box puissance. Donc c'est parti, on va commencer par la super puissance et ensuite on fera l'extrême puissance pour changer un peu. Si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos sur ma box, donc intelligence et agilité, je te mets ça dans le bouton I en haut à droite. Donc let's go les amis, donc la team super puissance, quelques variantes que je vais notifier, mais globalement ça c'est ce que je peux aligner de mieux, même si voilà, il y a pas mal d'alternatives en super puissance. Alors évidemment, on commence avec le beau gosse, le Neogod Tier Goku SSJ4, deux doublons dessus. Les doublons, je sais plus quand je les ai eus, la première fois que je l'ai eu, ah si, j'ai eu la première fois à ma toute première single sur le portail, et je l'ai eu un doublon à la toute dernière single sur le portail, je crois que j'ai encore les singles en screen. Et ce que j'allais dire, et puis après je sais plus, je crois que c'était sur le portail, je sais plus, bon bref, je sais plus. Donc voilà, deux doublons, il est très très bon hein, ce Goku SSJ4, vous le savez. Je sais plus, je l'avais classé combien dans le classement NeoGod, 3ème ou 4ème, je sais plus. Mais il est très très bon, attaque plus 150%, peut contrer les attaques SP, défense plus 30% pendant 6 tours, on peut le stack 3 fois, donc il peut se révéler assez tanky. Bon, en Battle Road ça ne vaut pas grand chose, mais pour le reste du jeu ça pose pas de problème. Au niveau des liens, Super Saiyan, part au combat vitesse époustouflante comme Vegeta SSJ4, de très très bons liens. GT, combat acharné, rugissement Saiyan, qui peut proc avec le Goku SSJ3. GT que je ne joue pas trop, je ne joue plus trop parce que en fait, c'est juste. Un choix, parce qu'en fait il se transforme aux AO, on perd du temps, enfin en général on perd du temps et du coup je l'ai retiré. Mais c'est vrai que c'est une très bonne carte, d'ailleurs j'allais en reparler après. Ensuite on a El Famoso VBLR, la meilleure carte du jeu pour moi sur la version globale, hein, clairement sans problème. Il est magnifique, il est surpuissant. Vous le connaissez, hein, attaque EDF plus 80% de base, il gagne du ki, moins d'un P puis gagne du ki. Première SP, il stack attaque EDF à l'infini. Deuxième SP, il augmente fortement l'attaque, ou énormément, je sais plus ce qu'on l'intitulé. Je crois que c'est énormément, c'est 50%. Donc il est très 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 fort, il est très tanky, il fait beaucoup de dégâts. Il a de très bons liens et en plus à la base ce Végéto il devait avoir en lien guerrier fusionné, combat décisif comme VBTech. Et en final ils ont retiré combat décisif, ils ont mis part au combat, ce qui est une très bonne idée parce que ça marche beaucoup mieux, notamment en super pu et même dans la team divin c'est mieux. Donc ça fait super plaisir, il a de très bons liens. Voilà, il a pas Fierce Battle, mais c'est pas grave, hein, on s'en fout. Il est de toute façon déjà beaucoup trop cheaté, franchement. Donc voilà, rien à dire de plus sur lui. On a ensuite Gogeta, voilà le seigneur, hein, la carte qui est sortie pour les 1 an du jeu, que j'ai eu très tardivement quand même, hein, mine de rien. Mais voilà, maintenant il est à 100%. J'ai pas de doublon en plus, hein, pour le coup. Ça fait plaisir. Donc voilà, Arbre de rang S, il est monstrueux. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Dégâts immense, première carte. Non, je crois que c'est la deuxième carte qui est dégâts immense. Avant c'était Freezer Full Power. Attaque plus 7000, sur le papier c'est pas ouf, hein, mais attaque efficace contre tous les types, mais à 100% il tape dans le million, voire le million 5 assez facilement. Alors qu'il a que attaque plus 7000. Si ce mec prend un ZTUR, enfin s'il obtient un ZTUR, ne serait-ce qu'attaque plus 100%, je peux vous garantir qu'on va pas être prêt pour les dégâts, hein, parce qu'avec l'arbre de rang S, voilà. Les liens sont parfaits, voilà, Super Saiyan, Paro Combat, Combat Décisif, Guerrier Fusionné, Combat Acharné. D'ailleurs, il a encore une place pour un lien, mais bon. Donc il est parfait, il est très très bon, enfin il est parfait, il est pas parfait, mais il est très très bon ce Gogeta, même s'il date depuis un petit moment. On a ensuite El Famoso Paikwan que j'ai mis à 100% parce que j'ai voilà, j'ai kiffé la carte. Et il est pas mal, hein, franchement, il réduit fortement l'attaque. Donc c'est le second niveau, donc il réduit beaucoup l'attaque, donc ça fait plaisir. Attaque plus 70% et défense moins 30% pour les ennemis, bon pas très utile. Il a de très bons liens, il a part au combat, ce qui est assez étonnant. Vitesse époustouflante, donc dans la team GT, enfin dans la team Super Puy, bah, avec Goku SSJ4 c'est parfait. Combat acharné, voilà. Il est très bon, il fait pas mal de dégâts, il tank pas trop mal parce qu'il est relativement tanky en termes de stats. Et puis comme il réduit, comme il debuff, donc... il est très bon, ce Paikwan, il est très très bon. Donc voilà, moi je le mets dans ma team super puissance. Maintenant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais étant à 100%, c'est intéressant. Le Vegeta SSJ3 puissance, qui est un des meilleurs tanks du jeu. Dégâts colossaux, une chance sur 2 de stun. Réduit les dégâts de 80% pardon, pendant 7 tours, donc à savoir la plupart du, enfin, la plupart, du combat. Bon, j'ai pas, en fait, j'ai eu des doublons sur lui, genre 3 ou 4. Peut-être 3, pas 4 mais 3. Sauf qu'à l'époque j'ai mis pour monter l'aspect parce que je me disais que j'allais jamais monter son arbre. Mais c'était avant l'arrivée des ZTUR et qui sait, il aura peut-être un ZTUR.
Et à ce moment-là, il va sûrement devenir encore plus intéressant. Bon, si j'obtiens des doublons à l'avenir, je les mettrai dans l'arme. Mais bon, de toute façon, on est en PLS d'orbe puissance. Hein, donc voilà. Au niveau des liens, c'est correct. Bon, il a que combat décisif, forcément. Mais bah, c'était un SCJ3, c'est pas étonnant. Encore que Bardock SCJ3 qui arrive bientôt, il a part au combat. Mais bon, bah, bref. Super Saiyan, combat acharné. Donc bon, voilà, ça marche pas trop mal. Avec Gogeta notamment. Avec les autres, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on a le Vegeta Bulma exclusif à la globale pour l'instant. Rappel augmente fortement l'attaque pendant un tour, dégâts colossaux. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a attaque EDF plus 100% de mémoire de base, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Je crois que ça, il contre les attaques normales. Alors je sais plus c'est quoi le multiplicateur, mais il contre assez violemment. Je crois que le contre est équivalent à celui de SV. Il est peut-être même supérieur, je sais pas. C'est pas le même intitulé, mais je sais pas si c'est différent au niveau du pourcentage. Et il peut passer en mode fureur quand on a moins de 30% des PV. Et quand il passe en mode fureur, il fait énormément de dégâts. Donc il est très très bon. Et puis bien sûr, on est invincible comme les Ozaru. Les liens, très très bien. Super Saiyan, part au combat. La base, brisée à la limite. Bon, bah à côté de VBLR, c'est pas mal. Hein, du coup, qui plus 2 en plus. Donc ça peut être sympa de les jouer à côté. En termes de rotation, souvent je joue Goku SCJ4 VBLR. Et puis, en fait, c'est assez malléable finalement. Parce que le Vegeta SCJ3, s'il y a besoin de le garder, bah on le garde. À ce moment-là, ça peut être bien de garder Gogeta. Mais après, ça dépend du mode de jeu. Évidemment, en Battle Road, on va privilégier les Goku SCJ4 parce qu'ils font énormément de dégâts, VBLR, et puis dans l'autre rotation, Vegeta SCJ3, et après les autres sont en rotation. Donc voilà, au niveau de ma box. Alors qu'est-ce qu'on a en alternative dans cette team super puissante? Il y a pas mal de choses. En termes de support, qu'est-ce qu'on a? On a ce Bardock, qui est pas mal du tout. Attaque plus 30% pour tous les alliés, si PV à 30% ou plus. Il a de très bons liens, il a part au combat, Super Saiyan, combat acharné. Il augmente son attaque pendant 6 tours, donc mine de rien, Speedy, il doit faire quelques dégâts quand même, parce que bon, ça peut se stack 3 fois. On a quoi en support? On a le Trunks qui n'a toujours pas d'éveil, ce qui est assez étonnant. Mais bon, voilà, toujours pas d'éveil. Attaque à def plus 25%, donc voilà, part au combat, Super Saiyan, de très bons liens. Donc s'il a un éveil, ce serait plutôt intéressant. Ensuite, en termes de support, alors évidemment, il y a le Goku SCJ3, mais il est toujours très bon. Notamment à côté de Goku SCJ4, c'est une tuerie, mais voilà, je joue pas trop parce qu'il se transforme un peu à tout bout de champ et ça me saoule un petit peu. En termes de support, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, alors, Topo, que j'ai droppé récemment sur du hors-portail. Bon, ouais, je l'avais pas, donc je vais pas cracher dessus, mais c'est un bon support. Hein. Attaque plus 25% pendant un tour pour les alliés de type super. Il donne 30% attaque et def, je sais plus, ou attaque seulement. Attaque et def, très bien. Et puis défense moins 50% pour les ennemis extrêmes. Bon, les liens, bah, la vitesse est époustouflante, ça va, ça passe, mais c'est pas ouf. Donc correct, sans plus. Après, quand il y aura Jiren puissance, ouais, les deux à côté, ça doit être sympa. Hein. Il y a pas mal de liens qui proc. En termes de support, c'est à peu près tout. Si on oublie, on y reviendra après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en autre alternative? Bon, le Goku gratuit, non, à râler, c'est pas ouf, c'est un carnage. Vegeta qui va avoir son éveil avec l'arrivée de Bardock SCJ3. Et qui aura attaque et def plus 90% sans restriction. Mais le problème, c'est que Vegeta n'est pas respecté, n'est-ce pas? Et comme le Vegeta SCJ3 tech, il n'a pas combat décisif. Et ça, bah du coup, ça, c'est mort. Dans la team SCJ3, si t'as pas combat décisif, tu rentres pas. Donc RIP, alors, bah, évidemment, on pouvait le jouer. Mais t'auras pas beaucoup de ki, donc ça va être galère. Voilà. Et c'est dommage, hein, parce qu'il est bien. Hein. Surtout que son alter ego, le Goku SCJ3 agit. Le ki de, enfin le petit Goku SCJ3, il a combat décisif, tu vois. C'est ça qui est quand même incroyable, quoi. C'est des cartes un peu miroir, vous savez, il y a souvent des cartes comme ça miroir. Genre le Goku Tech, et, non, le Goku Endurance et le Vegeta Tech et SCJ Blue Nuker. C'est des cartes qui vont par paire. Bah là, c'est pareil, et lui il a pas combat décisif et l'autre il l'a. Bon, alors la Pan, dont on va bientôt avoir l'éveil, enfin même, je crois que c'est demain, enfin ou aujourd'hui quand vous verrez la vidéo. Donc il sera excellente, carte qui mérite un 100%, donc franchement excellente, hein, j'en ai déjà parlé dans une présente vidéo. Pas mal du tout. Le Gotenks qui est une bonne carte, hein, il peut stun, dégâts colossaux, attaque plus 80%. Part au combat, Super Saiyan, voilà, guerrier fusionné, ça peut proc aussi, combat acharné, très très bien. Donc Speedy, s'il est correct, il fait ses dégâts. Ensuite, on a le Vegeta puissance qui est correct, mais ça spé non farmable si je ne me trompe pas. Attaque plus 70% à la base, il a quand même part au combat, Super Saiyan, donc c'est correct. Mais voilà, hein, pas de spé farmable, il me semble. On a ensuite le Goku qui deviendra un monstre une fois qu'il aura son éveil. C'est-à-dire, il l'a eu très récemment sur la Jap, hein, donc il passera à attaque et def plus 80%, dégâts colossaux, attaque et def plus 30% sur l'aspé aussi pendant 3 tours. Il perdra pas au combat malheureusement par contre, et il gagnera Fierce Battle évidemment, donc il sera monstrueux. Dédicace à Cher Trim parce qu'il kiffe la carte. Ensuite, le Goku Namek qui est pas mal, hein, augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige dégâts colossaux. Attaque plus 90%, alors qu'avant il avait rien.
et la survie au chaos, si PV restant sont à 20% en plus, bon c'est un peu dur à proc. Mais voilà, il est attaque plus 90%, c'est tout à fait viable, il a part au combat, Super Saiyan, donc très très bien. Pareil, lui a peut-être VBLR, ça peut être sympa avec Brisé à limite. On peut farmer sa spec le Goku LR SSR, mais bon bah c'est un peu galère parce que tu le droppes pas forcément. On a ensuite le Goku GT qui est pas dégueu. Une fois éveillé, alors je l'ai pas encore éveillé parce que bon, je sais que je vais en redropper d'ici là, donc peut-être qu'il sera spé d'ici un jour. Une fois éveillé, je crois qu'il attaque plus 7000, un truc comme ça. Et il a part au combat, donc bah, c'est pas mal, hein, c'est correct. Hein. C'est tout à fait correct. Le Trunks GT qui est une très très bonne carte aussi, bah, que j'ai monté hein, d'ailleurs. Donc très très bon. Voilà, attaque plus 100% lors d'une spé, donc voilà, rien à dire. Super Saiyan, part au combat, combat acharné, parfait. Enfin, voilà, très très bonne carte, c'est juste que maintenant, il y a, avec l'arrivée de VBLR et tout ça, il n'y a plus trop de place avec le Vegeta, Bulma, etc. Mais il est très très bon, donc si vous l'avez, n'hésitez pas. La Pan, elle n'est pas très intéressante. Ouais, c'est pas ouf. Le Goten, c'est un changeur de ki. Il change les ki endurance en ki arc-en-ciel. Bon, dans cette team, on n'a pas un problème de ki, donc c'est pas très intéressant. Le Gotenks, forme de base, est intéressant. Il est, enfin, spé farmable. Attaque plus 20% pour tous les alliés si en première position. Enfin, ou en deuxième, mais vous avez compris, comme d'habitude. Il a attaque plus 67% et un boost en plus de 23% s'il est en première position. Donc ça fait 100%, voilà, petit clin d'œil. Donc voilà, après le problème c'est que généralement on ne gardera pas dans la rotation. Mais voilà, il a des bons liens, vitesse époustouflante, donc ça proc, pas de soucis. Kamehameha, combat acharné, guerrier fusionné, donc c'est pas mal. C'est, voilà, c'est une bonne alternative. Je vous montre vraiment les cartes qui ont un potentiel correct si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut. Beerus, bon, il est correct, j'ai fait le showcase de cette carte à SP10. Alors quand son passif proc... il fait très mal, quand ça proc pas, il fait 0 dégâts, donc je vous conseille pas de le jouer forcément, il y a plein d'autres choses à mettre avant lui, mais même si c'est dommage, hein, mais voilà, le facteur chance ça gâche un peu tout, mais il est tout à fait correct, hein, quand ça proc ça fait très mal. Le Goku SSJ3 d'ailleurs, showcase bientôt disponible, que j'ai mis SP10 récemment, avec les différents Goku SSJ3 que j'ai pu dropper, je crois que j'ai mis un vieux Kai, parce que j'avais, voilà, il était spécial, je me suis dit bon, allez, on claque un vieux Kai, donc showcase incoming, la carte est magnifique, franchement... donc voilà, dégâts colossaux, attaque plus 80% quand PV à 30% ou plus, combat décisif, Super Saiyan et compagnie, comme d'habitude, donc pas mal, hein, ça peut être tout à fait viable de le jouer. Le Trunks, enfin le Broly du pauvre, la carte est jolie, hein, de base elle était assez moche, d'ailleurs lui c'est mon tout premier SSR, d'ailleurs je vous ferai une vidéo les gars où je vais vous montrer mes tout premiers SSR, vous verrez, je vais vous montrer les tout premiers SSR que j'ai droppés, et comme ça ce sera des anecdotes à vous raconter par rapport à mes tout premiers SSR. Attaque plus 70%, voilà, la base, part au combat, combat acharné, il n'avait pas part au combat en version SSR, Super Saiyan, donc correct, voilà, correct, c'est la base, si vous n'avez pas mieux, bah pourquoi pas. Facha change les ki, bon, pas spécialement utile, Trunks, c'est un Super Strike pas intéressant ici, bon, ici, il y a quelques cartes free-to-play qui peuvent servir par-ci, par-là, mais rien de transcendant. Le topo, on en a vu tout à l'heure. Le Goku du TB qui est pas dégueu, mais bon, boost en point fixe. Voilà. Mais il a quand même part au combat, donc il faut le notifier. Videl, carte gratuite, pas très intéressante. Majoub, même une fois éveillé, il est pas intéressant. Je l'ai même pas éveillé, vous voyez. Goku du film Broly, pareil, il n'a pas part au combat une fois éveillé. Et en plus, boost en point fixe. Mais boost en point fixe assez faible. Un petit doublon du Goku GT, je sais pas ce que je vais en faire. Le Végéto, bon, voilà, on va passer. Le Kamessin, God Tier, gratuit. Le Vegeta Blue, que j'ai pas éveillé, qui est très bon, attaque plus 100% une fois éveillé, la combat acharné, para au combat, Super Saiyan. Donc, ça, c'est une très très bonne carte qui peut tout à fait rentrer. Pareil, Gohan SSJ2, que j'ai pas encore éveillé, parce que j'aimerais monter sa spé avant. Dégâts colossaux, alors une fois qu'il est éveillé, c'est dégâts immenses. Et il se donne de mémoire ki plus 3 et attaque plus 70%. Et il gagne para au combat et combat acharné. Un rebirth de folie, hein, clairement. Il est ouf. Le Vegeta du TB, pas très intéressant, restriction au niveau des PV. Et ensuite on entame les SR, ce que j'avais gardé, bah, que des Trunks, voilà, pour monter l'aspect. Les autres c'est parce qu'ils sont SP10, j'imagine que je les ai gardés, donc on sait jamais. Voilà, il faut mousser au lunch. Donc voilà les amis, on a fait le tour. On a fait le tour de ma box super puissante, donc plutôt bien fournie. Qu'est-ce qui me manque là comme ça? Bah oui, il me manque le Gohan, l'Ultimate Gohan leader de catégorie que je n'ai pas. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Il doit me manquer d'autres cartes, hein, j'imagine, mais là comme ça, je vois pas trop. Après, la team est quand même très très OP. Hein. 84 000 PV, c'est beaucoup. Pas grand chose à dire, hein. C'est assez violent. On va enchaîner avec l'extrême puissance, les amis.
Alors là, il va manquer. Bon, il va manquer. Enfin, non, ça, en fait, ça va, mais bon, je vais y revenir. Alors, donc, c'est parti. Donc, voilà la team Extreme Puissance, celle que je la joue, avec une petite variante, mais voilà. Je vais y revenir. Janemba, quasi 100%, 3 doublons. Voilà, donc. J'ai eu du mal à le dropper la première fois, et puis après, il arrêtait pas de tomber, notamment sur une single fin de live. Donc, très très bon, hein, dégâts immenses. Bon, division fortement de la def, on s'en fout un peu. Attaque plus 80%. Chance moyenne d'esquive, donc 33%. Garde activée contre toutes les attaques. Bon, en Battle Road, ça ne sert à rien, mais dans la vie de tous les jours, ça sert beaucoup. Les liens sont parfaits. C'est des, voilà, c'est là, ça, vous voyez, ce genre de liens, c'est les liens par excellence des méchants. C'est-à-dire boss, vitesse époustouflante, transformation, peur et désespoir, cauchemar cruel. Tout ça, ça c'est le set link parfait pour un méchant. Voilà, rien à dire. Rien à dire, c'est magnifique. Donc bon, voilà, très 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 bon Néo God Tier. Omega Shenron, le tout premier God Tier 100%, pareil, il est très très bon à ne pas sous-estimer. Dégâts immenses, il diminue grandement la def, on s'en fiche un peu. Attaque plus 80%, et surtout, ce qui fait qu'il est totalement viable encore, attaque moins 30% pour tous les ennemis, c'est un debuff de ouf les gars. Donc il est très très bon, ce Saint Leak, regardez, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Janemba, donc les deux à côté c'est n'importe quoi. Cruel sa proc, Peur et Désespoir sa proc, boss aussi, vitesse époustouflante, combat acharné, alors lui... Il est un tout petit peu moins bon, il n'a pas transformation, ni cauchemar, mais voilà, les deux à côté, c'est un délire, c'est magnifique. Donc très très bon ce Omega, il fait, je vous assure qu'il fait, il fait les dégâts. Le sel puissant, j'ai pas de doublon dessus, et en plus il va pas revenir avant un bail, voire jamais sur un portail. Mais bon, c'est pas grave, donc je l'ai mis à plus 2000. Attaque plus 100% au début de tour, voilà. Le mec il se prend pas la tête, dégâts immenses, augmente attaque et def de manière infinie, ça c'est important de noter. Au niveau des liens, c'est pas mal, mieux que le tech, dans le sens où il a vitesse époustouflante, quand même. Cauchemar, combat acharné, boss, donc, bah, voilà, pareil, à côté de Janemba, ça marche très très bien. Pareil, à côté d'Omega, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci. Donc très très bon demi-god tier. Freezer LR, il est magnifique. Bon, on est en PLS d'orbe puissance, donc voilà, hein, un jour où Bamco voudront bien nous en donner, je le mettrai 100% direct, mais pour l'instant, c'est la PLS. Il est très très bon ce LR gratuit. D'ailleurs, il faudra que je fasse le top des LR gratuits prochainement aussi. Sur sa spell ultime, il debuff attaque et def à hauteur de 20%. Attaque plus 13 000 et défense plus 5 000, c'est pas ouf, c'est des points fixes. Mais je vous assure que ça fait le café du moment. Même là, comme ça, il fait déjà les dégâts. Il y a 100%, ça fait les dégâts de ouf. Les liens, regardez, c'est magnifique. Alors, bon, les premiers, on s'en fout un peu parce qu'on joue pas forcément avec un Freezer dans cette team. Mais transformation, bah, Janemba, ça proc, donc la régène. Boss, ça proc. Peur et d'espoir, ça proc. C'est déjà très bien, c'est de très bons liens. Donc Regen, Ki plus 2 et le lien boss, attaque et def plus 25%. Si PV à 80% ou moins, évidemment. C'est très 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 bien. Donc pour la régénération, c'est super cool. Rildo qui est une bonne carte. Dégâts colossaux, il réduit l'attaque de l'ennemi, donc à hauteur de 20%. Défense personnelle plus 10 000. Il a de très bons liens, regardez. À chaque fois, c'est les mêmes. Hein. Boss, transformation, cauchemar, peur et désespoir, très très bien. Lui, il lui faut un éveil. Il lui faut un éveil parce que, regardez, si on lui fait un éveil. Bon, on laisse dégâts colossaux, réduit grandement l'attaque, pourquoi pas. Défense personnelle, on passe en pourcentage. Défense personnelle plus 100%, mettons. Mais c'est tout, on s'arrête là. Boss, tout ça, on laisse les liens et on rajoute combat acharné. Il serait ouf. Après, bon, on peut pas farmer sa spé, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais en même temps, s'il garde que l'aspect défensif, on s'en fout, il fera pas de dégâts. Mais juste un éveil pour avoir plus de stats, combat acharné et un up sur son passif. Parce qu'il est très bon. Lien de régénération... C'est très intéressant. Moi, je pense qu'il y aura prochainement, j'en ai déjà parlé en live, un éventuel Baby Vegeta, leader de catégorie, un Baby Vegeta 1 ou 2, j'en sais rien, mais leader de catégorie GT Arc 1, tu vois. Et comme ça, ça englobe tout ce qui est Metal Rildo et compagnie, et ça engloberait enfin Goku SSJ4, évidemment. Donc, moi, je sens bien arriver ce truc-là prochainement, on verra bien. Sachant que là, on part sur des méchants, là, Thalès, Extrême Magie qui arrive. Aujourd'hui, moi bon, vous regarderez la vidéo. Donc peut-être un Baby, parce que Baby Vegeta il a un Occur Leader, bon qui est pas super intéressant. Il a une carte free to play qui est correcte pour une carte free to play, mais voilà, il a pas de grosse carte et Super Baby, moi je kiffe. Et regardez, voilà petite prédiction, je vous l'ai déjà parlé en live, mais Super Baby 1 ou 2, enfin plutôt 2 du coup, et qui en fonction d'une certaine condition passe en Ozaru. Bah oui, comme les LR, comme Goku Ultra Instinct, etc. Voilà, on verra, petite prédiction, on verra bien. Ensuite c'est 17 parce que j'ai pas mieux, voilà il change les ki, agit en carc-en-ciel, donc pour partir en spé c'est sympa, peur et désespoir quand même, combat acharné c'est bien. Au niveau des alternatives, alors, donc comme je disais, évidemment ça peut m'arriver de jouer Broly LR. Le problème c'est que dans cette team il est seul au monde. Après, même si je le mets
et que je vais galérer à partir en spin une fois sur deux, il ramène des stats dans la team. À la place de C17 par exemple. Parce que C17 finalement je le joue finalement si je joue Broly. Sinon j'ai pas besoin de qui en fait. Donc vous voyez c'est un peu, voilà, à la limite je peux le mettre à la place de C17 et puis s'il part en SP c'est bien, s'il part pas en SP tant pis, au moins il me donne des stats. Mais honnêtement je préfère pas le jouer, hein, c'est triste à dire mais voilà. Je n'ai pas hit le Neo Support, voilà. Donc ça c'est un gros manque mais bon en même temps... voilà quoi, ça je sais que je vais pas, Janemba, la team j'ajoute très peu parce que bah, Janemba n'en voit pas beaucoup. Donc je vais pas me faire chier à dropper un Neo Support pour jouer la team une fois tous les 4 ans. Donc voilà, ensuite en termes d'alternatives, qu'est-ce qu'on a de sympa? Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Gonet Freezer qui est farmable, gratuit. Lien correct, mais voilà, en termes de ki, c'est un peu la PLS. Après, il se donne ki plus 4 s'il y a deux ennemis ou plus, mais c'est rarement le cas. Donc il est correct, mais c'est pas ouf. Zamasu, pas ouf. Les liens corrects, il a quand même peur et désespoir. Il régène 10% si on a moins de 80% et il gagne attaque plus 60%. SP non farmable, enfin, elle sera semi-farmable avec l'arrivée du Zamasu SR, mais bon, voilà, c'est pas ouf. Le Fuller ou Coolizer, comme vous voulez, on s'en fout, qui se couple très très bien avec Freezer LR, mais voilà, SP non farmable, voilà, il a des bons liens, un peu un désespoir, il a fusionné, transformation. Ça peut être sympa de le jouer, honnêtement, à la place de C17, par exemple, s'il était SP10, mais là, en l'état, non. Donc c'est correct, mais sans plus. Le Boutenks, hein, qui est un SR de base, qui bloque l'aspé, attaque plus 12% pour chaque sphère de ki puis obtenue. Mais voilà, en termes de lien, combat décisif, voilà. Donc autant vous dire que ça proc pas. Transformation, ok, mais voilà, c'est l'un PLS. Comme tous les bouts, on va enchaîner avec les bouts d'ailleurs. Ce bout qui est tout à fait correct, attaque et def plus 70%, mais comme tous les bouts purs, aucun lien de ki. Voilà, hein, ça, c'est, voilà, c'est un peu compliqué. Autant le bout intelligence, on peut lui pardonner parce qu'il est monstrueux, mais là, c'est un peu galère. Pareil pour ce bout, quasiment aucun lien de ki, voire aucun. Ainsi, récupération, mais dans cette team, c'est mort. Après, il change les ki, donc bon, ça, au pire, c'est pas grave. Le Broly, qui va passer ZTER très prochainement, qui sera très très bon une fois ZTER, il aura attaque et def plus 80%. Donc, il sera très très bon. Et il passera en dégâts colossaux sur tous les ennemis, à la place de dégâts massifs. Dégâts massifs, c'est dégâts énormes sur tous les ennemis. Bah après le même problème que l'autre, hein, aucun lien qui proc dans la team. Et puis voilà, en termes de UR, on a fait le tour, hein, ça va vite. En termes d'SSR, du Super Strike, rien de spécial, Bojack, même une fois éveillé, il garde des dégâts énormes, donc c'est pas ouf. Et puis les niveaux des liens, c'est pas ouf. Le Piccolo du TB, anecdotique. Le Bou, pareil, je crois qu'il n'y a aucun lien de ki. Voilà, donc très difficile à jouer. Raditz, on n'en parle même pas, ça c'est le Bou SR. Le seul que je gardais si jamais je drop le Neo Support un jour, mais je pense pas. Et puis voilà, donc en extrême puits, c'est vite torché les amis, hein, clairement. On a vite fait le tour, hein, clairement, c'était assez rapide. Donc après, c'est pas qu'il me manque plein de cartes, c'est juste que le team extrême puits est assez peu représenté sur Dokkan, hein, clairement, c'est tout. Hein. Y a pas 36 000 façons de jouer extrême puits. Après, Rosé va arriver, oui. Mais bon, voilà, hein, clairement, c'est un peu la guerre. Il y aura aussi un Majin Vegeta puits qui arrivera pour les 3 ans. Et puis voilà les amis, bah on a fait le tour, hein, donc voilà. Voilà pour ma box puissance. Donc après 650 jours de jeu, voilà. Voilà, c'est. Bon, mais après, non, comme je viens de lire, non, c'est même pas que. Il manque des cartes, c'est que il n'y a pas grand chose en extrême puissance, c'est un peu la PLS. Enfin voilà, bon, sur ce, on va s'arrêter là les amis. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez pour le prochain type. Donc il nous reste quoi? Il nous reste tech et intelligence. Ah non, il reste tech et endurance, pardon. Dites-moi en commentaire. Celui que vous préférez, je mettrai peut-être un sondage dans le bouton i en à droite, n'hésitez pas à les checker, je vais voir si je peux le faire, il me semble que oui normalement. Donc voilà les amis, n'oubliez pas pour le soutien le pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et puis voilà, passez une bonne journée, à très bientôt, salut à tous.